Salut tout le monde. Mon intro, ça change pas. Je suis super ravie d'être avec vous. Et on va présenter aujourd'hui mes favoris de mars. C'est vraiment mes favoris. Voilà. On va dire que vous allez voir tellement je les aime. Voyons voir. Par cela. J'en ai beaucoup. Des chimiques. Ils sont géniaux. C'est de lip balm. Ils sont tout simplement une merveille, quoi. C'est moi, je les adore. C'est une merveille. Alors, je les ai utilisés tous déjà. Je l'ai partout dans mon sac à main. C'est vraiment. Je suis allée pour chercher un et je repars avec tout ça. Et il y en a encore dans mon sac à main au travail. Alors, je vais vous présenter mes couleurs favorites déjà. Alors, pour vous dire, désolée, mais il n'y a pas des teintes dans ceux-là. Merci. Attendez. Maintenant. Ah oui. Alors, parce que je croyais qu'il n'y avait pas de couleur, vous savez, le numéro et tout ça, je cherchais partout. Je suis con. Parfois, je suis la fille qui fait un peu sa blonde. Malgré qu'elle est brune. Alors, la teinte, merci. Voilà, merci. C'est un de mes préférés. C'est un rose comme ça. Et il est tout simplement canon comme rose. Regardez-moi ça. Alors, c'est comme un baume à lèvres, mais teinté, c'est vraiment une tuerie, ça. Et encore mes préférés, parce que vous allez voir, j'adore le rose. Hein. Celui-ci, que c'est le. Alors, j'ai un problème de vue. Hein. Je vous explique, je crois que j'ai besoin de lunettes. Xixi, Xixi, c'est Xie. Je ne sais pas comment on le prononce. C'est pas pareil, hein. Vous voyez, ça ressemble même, mais c'est pas le même. Il est un peu plus clair, celui-là, par rapport à celui-ci. Attendez, je vais vous mettre un peu plus foncé. Hop, prononcer un peu plus. Vous voyez, c'est un peu. C'est sexy, c'est vraiment génial, ça. Un exemple, pour les jeunes filles qui sont étudiantes, pour ne pas avoir les lèvres extrêmement. On va dire extrêmement. Désolée, il y a mon téléphone qui sonne. Extrêmement. Bah ça c'est génial, ça fait la couleur et en même temps, alors ça c'est un peu plus en fait beige un peu orangé. C'est celui que j'utilise le moins parce que je trouve que ça me va moins au teint. Mais j'aime beaucoup, en fait j'aime tous, hein. Je les utilisais déjà tous, hein. C'est un peu, j'arrête pas de le dire. Alors une auquel je vais moins avec le rose qui est par là, c'est celui-ci, c'est le celui qui est le Xixi. C'est un de mes préférés. C'est un peu marron, un peu ton. Vous voyez? Il est trop beau celui-là. J'aime trop. Franchement, c'est vraiment mes coups de cœur. C'est rouge à lèvres. J'en ai plein. Je vais vous tous swatcher. Hop. Voilà, encore un qui est dans le. Dans le tout un peu rose, vous voyez? C'est toujours dans le rose. Hein? C'est trop bien. Et maintenant. Non. Je vous laisse pour la fin parce que celui qui est à la fin, c'est un truc de malade. Je vous présente celui que c'est mon rouge à lèvres de tous les jours, c'est le 903 de chez Kiko, comme ça, c'est toujours le cream. C'est le rose comme ça. C'est celui que j'ai dans mes lèvres, regardez-moi. Moi ça. J'adore. C'est vraiment mes couleurs. Attendez, je vais essayer de vous swatcher là parce que j'ai la main. C'est celui-ci. Ben, vous allez me dire, ils se ressemblent tous. Oui, ils se ressemblent tous, c'est vrai. Mais il y a quand même une petite notation de différence. Et maintenant, le must-have de tous. Oh, comment vous dire? Tana. Les chez Kat Von D. Alors, regardez déjà le packaging. C'est une merveille, quoi. C'est trop classe. Design, futuriste. C'est vraiment avec le logo de Kat Von D. Regardez-moi ça. C'est. Regardez-moi cette rouge. Rouge cerise, je ne sais pas vous dire. Toujours dans le cream, hein, parce que le mat de chez Kat Von D, comme tous les mats pour moi. Alors, la teinte, désolée, j'ai essayé de vous dire laquelle c'est. Je crois que j'ai un problème de vue, mais c'est parce que j'arrive pas à le voir. Voilà. Donc, si vous arrivez, les filles, voilà. Moi, j'arrive pas, mais c'est le rouge comme ça. Voilà. C'est vraiment. Même sur mon paquet, j'en ai pas la teinte. Désolée. Désolée.
Alors, pour finir avec le... On va finir avec les maquillages comme ça. En fait, ça, c'est... Je l'ai mis trop. Après, j'ai laissé tomber. En fait, parce qu'il n'est pas waterproof. Et en fait, parce qu'il me laissait un peu laissé tomber un petit peu à la fin de la journée. Et en fait, ces mois-ci, je l'ai repris. Et en fait, ça a devenu encore mon coup de cœur. De chez Too Faced, le mascara Better Than Sex. Et c'est génial, ça. En fait, je le relème. On ne dit pas ça, mais je le dis moi. Et c'est vraiment trop bien. Et deux retrouvailles dans le mois de mars que j'ai faites. Parce qu'en fait, je suis allée me balader. J'étais chez Kiko. J'ai pris un mascara waterproof qui n'est pas mal du tout. Vraiment, je suis très contente. Mais je vous dirai ça plus tard. Parce que pour le moment, c'est vraiment mon préféré de ces mois-ci. Waterproof noir. Et j'aime beaucoup le picot qu'il y a. Donc, c'est vraiment les mascaras que j'adore. Et par contre, ça, c'est vraiment... Jusqu'à présent, c'est ça. Mais il faut au moins 3 mois pour donner des résultats. Mais je le vois déjà sous mes cils. C'est un traitement allongeant des cils. Traitement allongeant des cils de chez Kiko. Pardon, les filles. Voilà. Que vous le mettez tous les soirs après vous avoir démaquillé. Et en fait, ça vous traite les cils et c'est vraiment moins d'amour. Et ça. Ah, non, je vais finir pour le maquillage parce que ça, c'est vraiment. On va dire tellement je l'aime cette fond de teint et que il est presque à la fin. De chez L'Oréal, le Nutri Lift Gold. Franchement, quoi vous dire, il est trop bien. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il laisse la peau. Lisse, nickel, pas trop épais. Alors, c'est un sérum de teint anti-âge, aussi actif anti-âge. C'est vraiment trop bien. Et moi, j'ai de la teinte 160. C'est vraiment trop bien, ça. Alors, une retrouvaille. C'est pas. Alors, je le mets vraiment pour le travail tous les jours et je suis très contente parce que d'habitude. Je ne mets pas de parfum comme ça. De chez Zara, c'est le Zara Home Gold. C'est celui-là. Et c'est trop bien. Il sent. C'est trop bien. Vraiment, si vous devez passer chez Zara et que vous le trouvez. Bon, moi, je l'ai acheté en promo parce que je voulais le tester. Je l'ai pris à 10 euros. 9 euros quelque chose. Et regardez, hein, je l'ai utilisé. Et c'est vraiment. Ah, c'est trop bon. D'ailleurs, je vais en mettre un peu. C'est trop bon. J'adore. Voilà. Mais par contre, je ne connais pas le prix de base, hein. Alors, continuons pour le... Alors, démaquillante. Diadermine, c'est vraiment génial. Et en plus, ça ne m'agresse pas les yeux. Puisque j'utilise que pratiquement du maquillage waterproof pour mes yeux par rapport à mes allergies. Ça pleure beaucoup. Je pleure vraiment beaucoup des yeux. Et ça, c'est génial. Le petit démaquillant pour les yeux. Il est vraiment très bien pour le cils. Vous voyez, ça protège les cils et tout. C'est vraiment trop top. Je vous le recommande, vraiment. Alors, je vous avais présenté. Il faut que j'arrête avec la lore. Je vous avais présenté déjà dans mes précédentes vidéos de chez Sephora. D'ailleurs, mes favoris de chez Sephora. Et ben, ça continue, mon favori. Ma crème des mains. Que j'adore. Au bar de karité. Franchement, les filles, si vous avez les mains extrêmement sèches, c'est nickel. Et en plus, l'odeur, elle est trop bonne. Quoique maintenant, je sens un parfum. Et pour la douche, c'est le deuxième que je rachète hein, parce que j'ai tellement je l'aime. Et en plus, c'est bio, 99,5 d'ingrédients d'origine naturelle, parfum 100% d'origine naturelle, sans colorant, sans parabène. Quoi de mieux, les filles? De chez Oshoya, la Hammam gel douche. À huile d'argan bio. Pff, trop. C'est pas un parfum qui. Ça, c'est au bonbon, non. C'est un parfum vraiment à l'huile d'argan, mais que j'adore cette odeur. Ça fait très Tahiti. J'aime beaucoup. Trop bien. Je sais plus combien ça coûte. Vous savez, c'est dans les 3 euros à peu près. Je l'ai pris chez Monoprix. Suivant. Toujours chez Shoya. Pourquoi non? Alors, déodorant douceur de Japon. Sans sel d'aluminium, sans alcool. Les filles, surtout, mettez du déodorant
sans sel d'aluminium et sans alcool et surtout sans parabène si vous pouvez. Celui-là, il n'a pas de parabène, il y en a, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est le sel d'aluminium anti-cancer. Surtout, il faut protéger vous, votre peau. Et il est trop canon, cet déodorant. Vraiment trop canon. J'aime beaucoup. Et puis, il a une odeur trop bon. Ça sent vraiment la fleur de coton. C'est génial. Alors, passons. Un de mes préférés aussi, avec de chez Sephora, pardon. Zala Home. Crème pour le corps et hand et body cream. Crème pour la main et pour le corps. Ginger Lily, c'est génial. Il a, franchement, il a une odeur trop particulière. C'est vraiment trop bien. Vous voyez, je l'utilise beaucoup. Et j'en ai aussi la savonnette auquel j'ai racheté. Celle-là, elle est fermée. C'est juste pour vous montrer. Puisque j'ai la mienne qui est en train de se finir. Et que je l'ai rachetée. Et que ça reste vraiment mon coup de cœur. C'est pareil, dans la même gamme que la crème. La savonnette. Elle est vraiment trop bien. Chez Zara Home. Ginger Lily. C'est ma cote. Alors, la crème pour les mains, elle m'a coûté 5,99 €. Et le savonnette, elle coûte 33,99 €. C'est là. Et maintenant, pour la gourmandise. Ça, c'est. Je prends ça chez Monoprix. Je ne sais pas s'ils le vendent ailleurs. Regardez. C'est des pétales de coco au chocolat. Non frit, sans gluten et 100% végétarien, le fil. Là, c'est trop bon. Et quand vous le. C'est vraiment. En fait, c'est un goût de chocolat. Mais. Délicieux, quoi. Délicieux. Et maintenant. C'est au travail, à la maison. Faut que j'arrête, hein. Faut que j'arrête parce que c'est pas possible. Ça va tout dans les cuisses, dans les fesses, dans le ventre. Chez Milka. Cookie. Avec de la. En fait, il y a la crème de chocolat dedans. C'est fondant, c'est croustillant. C'est bon, c'est ouvert déjà hein, parce que j'ai déjà mangé. J'ai fait tout tomber, mais bon. Des coquilles quoi. Donc, c'est une merveille. Et ben voilà, c'est tout pour ces petits favoris du mois. J'espère que vous avez aimé, pardon, comme je mange mes petites cocos, hein. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus vers le haut si vous avez aimé, hein, likez. Abonnez-vous à ma chaîne sur Instagram, sur Snapchat, Facebook. Surtout que je suis en fait, je suis beaucoup sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner et je vous fais de très gros bisous et je vous dis la prochaine, vous allez avoir une surprise pour la prochaine vidéo, rien à voir avec un haul. C'est quelque chose que je vais faire avec quelqu'un d'autre. Et donc, abonnez-vous en fait, hein, je dis n'importe quoi. Donc, j'espère que vous serez là pour la prochaine étape. Je vous fais...